Salut tout le monde, chapeau de paille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera la découverte de Battle Beast, un jeu qui m'a été offert par Soma Gaming, que je tenais à remercier grâce à un giveaway qu'il a fait. N'hésitez pas, je vous mettrai son Discord dans la description. Il y aura sa chaîne YouTube, il y aura tout pour que vous puissiez le soutenir, etc. Et du coup, pour ce jeu, la description c'est le détenu. Détenus se sont échappés d'une prison spatiale. Désormais, un seul obstacle les écarte de la liberté. Ils doivent se battre pour emprunter le portail d'évacuation. Ces créatures aux compétences de survie unique doivent joindre leurs forces afin d'augmenter leurs chances de réussite. Les évaluations plutôt négatives. Il y en a que 29 aussi. La date de parution 10 mai 2021. Il est sorti il y a 2 jours. Équipe de développement Oleg Chestoperov. Excusez-moi. Et les équipes d'édition, pareil. Il est au prix de 4 euros. Et il n'y a que l'anglais. Du coup, on va lancer une partie. Single player. New game. Save 1. On va l'appeler. Partie 1, start game. Ok. Ah, faut que je mette en QWERTY, désolé. Ouais, un vendeur. Ça c'est l'inventaire. Ce qu'on peut mettre sur nous. On a les crafts. Ce qu'on a dans les poches. Etc. Etc. Enfin bref, on va sortir de là, je pense. J'ai pas d'armes, j'ai rien. On a la faim, la soif, la santé, la stamina. Et les degrés que vous voyez pas. Ensuite, on a la barre rapide en bas, comme d'hab. Et la petite minimap en haut à droite. Je suis à 60 FPS. Le jeu tourne bien. Parfois on entend les bruits des fois par les bruits des pas, pardon. Parfois non. Ça, je peux le ramasser, ça. Ok, on récolte des baies. De la fibre aussi. Bon, on va aller explorer un peu la map. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ou pas? Ouais. Du coup, on est où nous? Ah, ils ne disent pas. Ok, ben la map se présente comme ça. Vous voyez juste pas le sud-ouest. Ok, ça lag un peu. Ok.
Ça, c'est les fibres. Ok, une zone. Je pense qu'on va aller là-bas. Je sais pas si on peut nager ou pas. Attends, de voir si on peut boire l'eau. Ouais. Et quand on s'est mis en full. Excusez-moi. On s'est mis full enfin aussi. Il fait 13 degrés, il commence à pleuvoir, je pense. Ouais. Oh, de la fibre. Ok, let's go. Je sais pas si on peut nager, j'ai pas envie de faire le test pour après si je meurs, j'aurais perdu ma progression. Ok, on peut escalader, ça c'est cool. Oh non! Ok. J'ai perdu de la vie. Toujours 60 FPS, comme d'hab. J'espère qu'on peut loot ici. J'espère que le son n'est pas trop fort. Ça devrait aller. Ouh là là, le freeze. Alors, c'est que des cailloux en fait. Et là, du coup, on va essayer de trouver un petit endroit tranquillement. On va essayer de voir ici, là, ce que ça donne. Je crois que c'est une structure de pierre aussi. Ouais. De la pierre. On va essayer de rentrer là-dedans. Enfin bref, je pense qu'il faut explorer la map, etc. Dommage qu'on ne peut pas se voir sur la map en fait. Ça aurait été bien. Enfin bref. Je pense qu'on va se laisser là les amis, ça fait 10 minutes de vidéo. C'était une mini découverte et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et puis prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout à vous abonner si le contenu vous plaît. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Jabotpay. Peace.